Si nous sommes prêts, nous pouvons donc commencer. Mesdames et messieurs, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, à tous les participants, à la session de dialogue des leaders de haut niveau dans le cadre du forum IGF. Nous allons parler des implications liées à la santé et le rôle de la gestion de l'Internet dans des temps incertains. Tel est le titre de notre session. Nous allons parler du rôle des politiques numériques en ce qui concerne la sécurité de la santé publique, surtout dans des situations urgentes. Je suis responsable des affaires européennes au sein de Deutsche Welle, qui a son siège à Bonn en Allemagne. La pandémie du COVID-19 nous a montré que le développement des technologies numériques pourrait rendre nos sociétés plus résistantes à ce genre de menaces à la santé publique, parce que en fait, nous avons dû beaucoup apprendre rapidement de nouvelles choses pendant les derniers mois, et ceci concerne non seulement les services de santé, mais aussi les citoyens ordinaires qui ont dû s'adapter à cette nouvelle situation. Nous avons vu qu'il y a eu de nouveaux outils numériques qui pourraient aider tout le système à lutter contre cette crise. Mais si les politiques numériques ne sont pas efficaces, elles pourraient avoir un effet négatif sur la société. Il me semble que nous allons tous vers des choses nouvelles, sur un nouveau chemin. Personne ne sait si ni le système de santé, ni les opérateurs ne sont capable de nous dire quel potentiel numérique pourrait nous permettre de contrôler la pandémie. En ce qui concerne les changements liés à l'Internet et aux technologies numériques, eh bien, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Quel soutien pourrait-elle nous assurer pour améliorer la santé de la société? Quels sont les défis qui sont présentés par la médecine? Ce seront les sujets dont nous allons parler aujourd'hui, aussi dans le contexte de la pandémie. Nous allons aussi parler des réponses concrètes en utilisant la technologie dans le contexte de la santé publique. Ce sont donc les sujets que nous allons aborder dans les 90 minutes à venir. La question clé, est-ce que les technologies numériques peuvent-elles nous permettre d'appliquer l'objectif de durabilité numéro 3, c'est-à-dire santé et qualité de vie? Et tout ceci, bien sûr, dans le contexte de la pandémie COVID-19. Maintenant, je vais présenter nos invités. Je voudrais surtout souhaiter la bienvenue à Anuradha Gupta, qui est la présidente de Gavi. Merci d'être des nôtres. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Kira Radinsky, qui est présidente de CTO, de la société Diagnostic Robotics, avec son siège en Israël. Elle est co-créatrice d'ailleurs de cette entreprise. Elle se spécialise dans l'exploration des données, le data mining. Les logiciels qu'elle a créés ont prévu l'apparition du choléra au Cuba pour la première fois depuis 130 à 30 ans. Nous avons aussi Precious Matsoso Malebona, qui était à la tête du département des réglementations à l'université de Witwatersrand en République de l'Afrique du Sud. Nous avons aussi Bernardo Mariano, qui est directeur du département de la santé numérique et de l'innovation au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans le cadre de son rôle, il est responsable de la coordination de toutes les questions et stratégies concernant l'apport numérique dans la santé publique. Et enfin, Anurag Agrawal, directeur de l'Institut CSIR. C'est un institut basé à New Delhi, en Inde, et aussi membre du conseil auprès de l'OMS. Donc, nous avons des intervenants très intéressants, des experts très intéressants. Donc, il est
très intéressant d'écouter ce que nos participants ont à dire. Veuillez toutefois débrancher vos micros lorsque les autres parlent. Sans doute, nous deviendrons des experts dans ce domaine, dans le domaine numérique et des contacts numériques. Merci beaucoup. Merci d'avoir décidé de participer à cette session. Commençons donc. Alors, dernièrement, et nous serons tous d'accord ici que rien n'a été un défi plus grand pour le système de santé que la pandémie COVID-19. Beaucoup de pays ont dû succomber sous une grande augmentation d'infections et de décès, bien sûr. Nous sommes vraiment impressionnés par le travail héroïque, les efforts héroïques des services de santé dans le monde entier. C'est pour cela que nous avons commencé à utiliser rapidement les technologies numériques pour pouvoir gérer cette situation. Donc, les bases de données, leur amélioration, système d'information de santé, qui sont toujours en train d'être améliorés. Il y a un grand éventail d'actions qui sont prises maintenant plus ou moins systématiquement dans le monde entier. Donc, nous pouvons voir que les technologies numériques sont utilisées pour lutter de façon efficace contre la pandémie. Quelles sont donc vos expériences concrètes dans ce domaine? À quel point les systèmes numériques ont-ils pu bien aider dans ce temps spécifique de pandémie? Je vous demanderai à faire une évaluation personnelle de cet apport des technologies numériques dans le domaine de gestion de la pandémie. Maintenant, je m'adresserai peut-être tout d'abord à Bernardo Mariano, qui est chargé justement de la santé numérique au sein de l'OMS. Veuillez brancher votre micro. Oui, merci Patrick. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend où vous êtes maintenant. Eh bien, je vais commencer par la chose suivante, c'est-à-dire que nous promouvons les technologies numériques dans le contexte de la santé au sein de l'OMS, à condition qu'elles soient utilisées à de bonnes fins, c'est-à-dire qu'elles doivent être éthiques, basées sur des preuves efficaces, égales, inclusives, et qu'il y ait un accès égal à ces technologies-là. Et plus, elles doivent aussi être placées dans un contexte adéquat qui reflète bien le caractère de la technologie appliquée. Et je voudrais souligner qu'au sein de l'OMS, dès le début de la pandémie, nous avons pu voir qu'il y a eu de grands efforts entre tous les secteurs concernés. Nous sommes vraiment impressionnés. Nous avons eu un grand soutien de la part de nos partenaires traditionnels, tels que par exemple l'ITU, mais aussi de la part du secteur privé. Je dois souligner l'importance de ce soutien qui est très, très large. Alors, il a fallu une pandémie pour qu'on commence à travailler de cette manière-là. Il a fallu déjà commencer à travailler de cette manière, peut-être déjà auparavant. Donc, si l'on travaillait ainsi auparavant, l'on pourrait peut-être gérer la pandémie mieux maintenant. À quel point les technologies numériques ont-elles aidé? Et je voudrais parler ici de trois volets. Premièrement, c'est de se concentrer sur les gens. Deuxièmement, c'est d'ajouter de la valeur à des systèmes déjà existants. Et aussi l'extension de la main-d'œuvre, du personnel. Donc, ce sont les volets sur lesquels nous nous penchons pour voir à quel point la télémédecine pourrait-elle soutenir le système de santé au niveau national. Cette technologie est déjà mûre, suffisamment mûre, mais il faut adapter les politiques pour pouvoir bien puiser de cette technologie. Au début de l'année, nous avons dû, en ce qui concerne la suivi de contact à un niveau élevé, ici, les technologies numériques nous ont beaucoup aidés parce que nous avons élaboré des lignes directrices sur la suivi de contact. Contact tracing, ce sont les sujets
auxquels nous avons eu affaire depuis longtemps et beaucoup de pays n'ont pas pu les gérer de façon adéquate avant la pandémie ici, d'où le rôle important des technologies numériques. Bien sûr, le suivi de contact doit faire partie intégrante du système de santé publique parce que si le système manque ce genre de suivi de contact, l'on ne peut pas utiliser pleinement son potentiel. On a d'ailleurs commencé à travailler avec l'Estonie là-dessus pour trouver un certificat numérique de vaccination. Nous pensons toujours au vaccin, bien sûr. C'est le carton jaune maintenant, ce qui se passe maintenant. La carte jaune des vaccins, c'est quelque chose qui est exigé, surtout pour ce qui est des pays en développement. C'est approuvé de manière transfrontalière. Et nous avons commencé à créer un programme qui nous permet de mieux naviguer à nos pays dans cette masse de solutions numériques. Tout ceci pour les soutenir lors de la pandémie. La dernière chose, c'est-à-dire le soutien au personnel de la santé. Nous avons lancé plus rapidement l'Académie de l'OMS. Il y a une grande composante numérique dans cette académie. Nous y avons ajouté beaucoup de séances de formation dans le cadre de cette académie ouverte de l'OMS. C'est une plateforme d'éducation en 41 langues, 17 sujets, y compris le COVID-19. Plus de 5 millions d'usagers maintenant de cette plateforme, et je le dis parce que nous voulons montrer que nous lançons de plus en plus rapidement de nouvelles technologies, mais on pourrait bien sûr gérer ces choses-là de manière meilleure, mais il faut être mieux préparé pour les crises de ce genre. Oui, c'est sûr. Merci. Merci pour cette première intervention. Bernardo a mentionné une série de choses très importantes, surtout cette approche liée à l'inclusivité et basée sur la confiance, concentrée sur l'individu. C'est très difficile parce que, en même temps, il faut se référer à la situation globale au monde entier. Quel est le facteur principal que vous, en tant que l'OMS, considérez comme le plus important? Est-ce qu'il s'agit surtout d'avoir des normes technologiques uniques ou plutôt s'agit-il d'avoir une meilleure gestion de certaines politiques? Tu disais que la technologie était déjà en place, que ce qui manque, c'est autre chose, en fait. Oui. Il faut être conscient du fait que la maturité technologique des pays varie selon les pays. Et ceci, bien sûr, va dépendre ainsi quelle aide un pays peut obtenir. L'on voit quelle est la transformation numérique du service de santé. Chacun de nous a un rôle à y jouer, une valeur à y ajouter. Nous, par exemple, au sein de l'OMS, nous voyons comment gérer le défi de l'interopérabilité. Chaque pays se heurte à ce problème. Le système de santé traditionnellement est développé en silo. Maintenant, l'utilisation de technologies numériques pour soutenir le système de santé exige l'interopérabilité. Hier, les pays membres ont approuvé notre stratégie globale sur la santé numérique. Donc, nous voulons être sûrs que la maturité de la santé numérique et les investissements dans la santé numérique vont nous permettre de passer à l'étape suivante parce que chaque pays a une étape différente. Nous avons publié un guide d'investissement dans la santé numérique qui permet de nous dire que si vous êtes à un tel niveau de maturité, vous allez avoir à investir dans telle ou telle chose pour avoir dans une année une telle et telle valeur ajoutée pour que votre maturité augmente. C'est ainsi qu'on le comprend, parce que chaque pays a une étape différente. Il faut donc travailler ensemble pour combler les différences du point de vue technologique. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me concentrer sur un aspect sur lequel
Vous vous êtes concentré. Je me tourne à Kira. Cette coopération avec le secteur privé, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, la pandémie n'a fait qu'accélérer les choses ici, surtout dans le domaine de la santé publique. Il y a plus de relations avec ce secteur public maintenant. Alors, Kira, présidente d'un start-up, oui, d'une société privée, d'une entreprise privée, eh bien, Kira a déjà participé en amont dans la gestion de la pandémie COVID-19. Est-ce que tu peux nous dire un peu de la relation entre la santé publique et les entreprises privées? Où les avancées sont les plus importantes, où la coopération a-t-elle accéléré le plus, où est-elle meilleure qu'auparavant? Oui, tout d'abord, notre entreprise a créé des systèmes de triage de sélection de patients. Nous l'avons fait depuis quelques années. Nous nous appuyons sur les données historiques. 70 millions de patients d'Israël et des États-Unis sont pris en compte. Notre système pose des questions de triage et est capable de prévoir, anticiper quel patient a besoin de quel type d'aide. Tout ceci pour réduire les tâches qui sont la routine de nos médecins. Lors de la pandémie, nous nous sommes rendus compte que le taux d'utilisation, d'engagement des médecins, en fait, d'engagement de leur implication est à son plus haut niveau. Donc, il n'était plus possible d'assurer la formation pour un nombre croissant de médecins. D'ici l'année 2030, nous aurons des milliards de personnes sans accès au système de santé, ce qui signifie que 3 heures et demie, c'est l'heure maintenant d'attente. Moyen, le temps d'attente des patients, ça va aller jusqu'à 8 heures. Le problème est accru. Donc, il y a une situation de crise. Il faut qu'il y ait une sélection immédiate. Le patient doit savoir immédiatement où se tourner, où aller. Il n'y a pas suffisamment de call center, de centre appel pour répondre aux besoins de patients. Bien sûr, c'est pour cela qu'on applique les applications de contact, mais est-ce que c'est suffisant pour assurer un suivi clinique de patients? C'est pour cela que nous avons étendu notre service de triage pour y inclure d'autres services. À chaque fois que le patient avait des besoins liés à la santé, notre système lui posait des questions de triage pour prévoir où un tel patient devrait aller. Par exemple, si le système disait que, considérait que la situation était grave, il lui disait où aller. Ce qui est très important du point de vue du gouvernement, c'est qu'on peut prévoir pour quelle ville d'un pays donné, la situation pourrait s'aggraver ou le confinement était nécessaire. Donc, en se basant sur l'information de ce système que nous avons créé, nous avons pu prévoir les besoins, les principaux besoins de la deuxième phase pour introduire des systèmes de confinement selon les zones. Ceci nous permet de prendre les décisions, permet la prise de décision au gouvernement. Ça a accéléré les choses lors de la pandémie. Merci beaucoup. Maintenant, oui, je comprends très bien que votre travail a eu un grand impact sur cette situation. Vous avez commencé à travailler avec le système de santé déjà avant la pandémie. Est-ce que de votre perspective, il y a eu des changements en ce qui concerne l'amélioration des relations entre le secteur public et le secteur privé? Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup à améliorer dans ce domaine. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de donner des recommandations. Ça ne signifie pas que les décideurs décident seulement selon les données que nous leur fournissons. Il y a beaucoup de décisions politiques qui ont une grande importance lors du COVID et qui prévalent sur les opinions scientifiques, même en provenance des académiciens ou en provenance des scientifiques. Donc, il faut savoir maintenant réfléchir où, qu'est-ce qui doit prévaloir, la politique ou la santé, quel type de décision. Ça se voit surtout clairement en Israël. Et donc, les entreprises comme nous,
comme la nôtre peut prévoir quelque chose, une aggravation de la situation, mais les données ne sont pas toujours prises en compte. Bien sûr, il y a des théories de complot disant que le COVID n'existe pas, etc. Mais nous avons des preuves disant que les interventions telles que le confinement peuvent maintenant atténuer la situation dans certaines régions. Mais nous, en tant qu'environnement des académiciens, nous devons savoir bien communiquer avec les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures nécessaires. Par exemple, il n'était pas clair si envoyer les enfants à l'école allait aggraver la situation ou non. Nous avons donc la preuve que les enfants en dessous de l'âge de 10 ans contracte le COVID beaucoup plus rarement, mais il n'y a pas de preuve si il y a plus de risque de contagion de la part de ces enfants. Donc, il faut améliorer cela parce que s'il n'y a pas de confiance, de niveau de confiance suffisant entre le gouvernement et les entités privées, Merci. Je pense que c'est pas c'était suffisant. très intéressant. Donc, cette relation entre les chercheurs, le gouvernement, et que la relation par rapport à la confiance, le niveau de confiance. On a déjà d'ailleurs abordé ce sujet, aussi l'utilisation de technologies numériques hein, pour le système de santé. Le niveau de confiance est important. C'est la confiance des hommes politiques et des citoyens. Des citoyens. Maintenant, la question à Préchis. En Afrique du Sud, quelle est la situation dans ta perspective? Je reviens ici à cette question concernant l'utilisation de technologies numériques qui ont été utilisées pour lutter contre la pandémie. Et quelles sont donc tes expériences depuis 6 ou 8 mois? Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Nos expériences sont les suivantes. Donc, nous avons commencé par créer une stratégie de la santé publique. Cela a été très important. Nous avons travaillé vraiment dur pour bien investir, pour investir de manière à créer des plateformes numériques correctes, adéquates. Des défis étaient nombreux, donc je voudrais commencer par cela. Depuis quelques années, nous avons mené des investissements à peu près similaires. Il y avait plus de 30 millions de patients qui ont été enregistrés dans notre système d'enregistrement, mais cela nous a pris pas mal de temps pour rendre ce système fonctionnel dans l'ensemble du pays, pour que dans tout le point de santé, tous les ambulatoires, autres, pour que ça soit fonctionnel. Au début, on a commencé par des grandes cliniques. Donc, vu la complexité du système, cela nous a pris quelques temps. Et au moment où le COVID a frappé, nous avons dû regarder différents outils numériques qui existaient déjà. Et par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Man Connect. Ceci est lié à notre stratégie Man Health. Donc, c'est une plateforme qui était utilisée pour transférer, vulgariser les informations. Et sur cette base, nous avons créé différentes applications. L'une de ces applications devait permettre le suivi des contacts. Le suivi des contacts, normalement, ne doit pas être la même chose que le contrôle électronique. La frontière n'est pas toujours très claire. Nous avons aussi créé des outils qui pourraient être utilisés pour le screening personnel, pour savoir si on est atteint ou non du coronavirus. Et aussi, nous avons créé un système régional de suivi des informations concernant la santé, où nous recueillons les informations de base concernant la santé. Et le risque quand même existe, vu le manque d'interopérabilité de ces systèmes. Il n'y a pas de bonne coopération entre les systèmes. Bernard en a déjà parlé, mais maintenant, c'est avec un grand plaisir que je peux vous dire que toutes ces plateformes que nous avons développées pendant des années, maintenant, se sont révélées vraiment utiles. Donc, cela nous a permis de les connecter les unes aux autres. Ce ne sont pas uniquement les outils dont se sert le personnel médical, mais par exemple, moi, je m'en sers en travaillant avec le patient. Donc, les patients eux-mêmes peuvent aussi
suivre s'ils sont contaminés ou non. Donc, ils viennent dans un ambulatoire, par exemple, lorsqu'ils savent que c'est sûr, que ça n'a pas de risque. Et à part cela, nous avons aussi d'autres outils, comme par exemple des pharmacies mobiles. Et ces outils permettent d'éviter à ce que les gens se déplacent personnellement pour aller chercher leurs médicaments. Donc, ils ne doivent pas se déplacer. Je pense qu'on aurait pu le faire avant, on aurait pu le faire mieux. La télémédecine, c'est quelque chose qu'on aurait dû développer avant. On le faisait, mais certains, dans quelques domaines, c'était des centres d'excellence en quelque sorte. Ce n'était donc pas suffisamment généralisé, donc c'est un peu une chance perdue. Mais pour les sites qui travaillent déjà avec ces systèmes modernes, ceci a été très bon pour la collecte des données. Cela nous permet de suivre les patients et aussi de savoir comment nous débrouillons dans cette lutte contre le COVID. Donc, le nombre d'hospitalisations, le nombre de patients identifiés positifs, le nombre de patients guéris. Bien sûr, nous développons tout cela. Nous apprenons aussi à partir des expériences que nous avons pu acquérir pendant le sida. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur quelques points. Donc, ces applications sont trop nombreuses. Donc, le risque qui est associé à cela, c'est que nous sommes un peu surchargés des informations. Non seulement la surcharge, mais aussi le risque de désinformation qui, parfois, peut saboter nos efforts visant à lutter le COVID. Nous avons donc besoin d'un cadre de gouvernance, d'un cadre de gestion pour savoir ce qui fonctionne, quelles sont les applications qui fonctionnent bien, qui font leurs preuves aussi pour promouvoir ces applications. Il faut quand même qu'il y ait aussi cette confiance, qu'on puisse les utiliser de façon correcte et en faveur de la population. Donc, cette stratégie doit être unique. Nous avons toujours des problèmes d'infrastructure et aussi le coût d'accès à l'Internet parfois se cause une barrière assez importante. Et puis, ces solutions systémiques qui ne sont pas toujours opérationnelles, c'est un défi qui reste toujours devant nous. Nous avons en revanche un certain cadre légal qui existe déjà, qui fonctionne, qui normalement doit protéger les données, donc pour assurer la confidentialité des données. Encore une chose, investir dans les compétences numériques pour avoir le potentiel à gérer les données sous forme de big data. Et merci. C'était très intéressant comme information. Je prends note aussi de ce que tu viens de dire, que nous avons besoin de cette stratégie numérique, le cadre numérique, les compétences numériques. Donc, nous revenons ici à ces arguments que tu as présentés en parlant de la façon dont on peut éviter la surcharge d'informations. C'est vrai que les applications sont trop nombreuses. Nous avons aussi un peu du mal à gérer tout cela, et les citoyens aussi. Et maintenant, je voudrais m'adresser à d'autres participants de cette session. Donc, je voudrais que vous posiez des questions, soit sur le chat, soit sur Q&A en bas de l'écran. Les questions me parviennent directement, donc je pourrais les introduire dans la discussion. Et maintenant, voilà, donc maintenant Anuradha Gupta, donc on va sortir du cadre de la pandémie et comment on peut donc utiliser cela pour assurer une meilleure assistance aux personnes. On a vu beaucoup de différents aspects pour parler de la gestion de la pandémie, lorsque nous devons donc éviter la surcharge du système, lorsque nous devons suivre le contact
où nous devons transférer les patients à tel autre secteur, le problème des triages. Mais lorsque nous regardons un peu plus en avance, comment donc l'innovation numérique peut protéger les gens à partir de maintenant? Merci pour cette question. Je ne suis pas tout à fait sûre si tout le monde vraiment soit conscient que à Gavi, il y a énormément de différentes opérations. Nous assurons le soutien à plus de 70 pays avec la vaccination pour 80 millions d'enfants dans le monde. Donc, 80 millions d'enfants qui naissent dans ce pays doivent être vaccinés. Nous avons donc les vaccinations. Donc, les vaccinations qu'on réalise, c'est demi-milliard au cours d'une année seulement. Cela veut dire qu'on a des investissements énormes. Ce sont des opérations à grande échelle. Et cela, bien sûr, est lié au secteur privé, au partenariat public-privé. Et Gavi, en 2000, fonctionnait en tant que partenariat public-privé. L'idée qui était à la base était de créer une sorte d'alliance unique qui pourrait profiter de la prévalence du secteur public et privé. Et cela nous a permis d'utiliser les innovations en utilisant les vaccinations dans tous ces pays. Nous avons donc utilisé les technologies numériques comme nous avons voulu. J'aime bien dire que les vaccinations sont réalisées lorsque les 3V se retrouvent dans un seul endroit. En tant que vaccination, celui qui vaccine est celui qui est vacciné. Donc, si on n'a pas de vaccin, on ne peut pas le faire. Voilà, donc sans ce 3V, on ne peut pas le faire. Donc, sans enfant, sans vaccin, sans celui qui va vacciner, on ne peut pas le faire. Donc, chacun de ces aspects, chacune de ces entités, on a utilisé différentes technologies, comme des technologies numériques pour chacun de ces éléments. Par exemple, pour le vaccin, on utilise les technologies numériques pour garantir le bon système de la gestion de la logistique de vaccination. Pour voir comment les vaccins sont déplacés, comment on remplit les stocks, comment on les consomme après. Et puis, il y avait aussi, par exemple, le suivi à distance de la température. C'est pourquoi nous avons le journal de données, nous avons les systèmes de suivi de température. Nous le saisissant dans la chaîne froide des livraisons, cela nous permet donc de suivre cela. Les vaccins doivent être stockés dans des températures correctes. Avec les fluctuations de température, la puissance du vaccin n'est pas garantie. Donc, avec ces technologies, nous pouvons donc faire en sorte que le vaccin ne perde pas ses caractéristiques parce que la température a été gardée correctement. Cela permet aussi de rendre notre travail plus efficace. Pour ce qui concerne les personnes qui sont vaccinées, nous devons aussi prendre en compte les journaux électroniques. Dans différents pays, les systèmes de santé sont vraiment très faibles, elles sont peu performantes et n'ont pas d'office civil, de bureau civil qui enregistre les décès et les naissances. Les enfants n'ont pas de numéro qui leur sont affectés, n'ont pas d'identité qui est enregistrée quelque part. Donc, ces registres électroniques de vaccination sont indispensables pour que nous sachions si les enfants sont vaccinés en temps voulu avec de bons vaccins. Et maintenant, pour les personnes qui vaccinent, nous avons beaucoup investi pour améliorer les compétences numériques. Les compétences sont très importantes. Ceux qui vaccinent n'ont pas ces compétences au début. C'est bien souvent le cas. Lorsqu'on introduit de nouveaux vaccins, par exemple,
Donc, les conditions préliminaires peuvent concerner tel ou autre vaccin bien particulier. Donc, il faut développer ces connaissances auprès de personnes qui vaccinent. Et avec les technologies numériques, nous pouvons les faire mieux. Comment nous pouvons aussi augmenter la demande en vaccination? Dans certaines circonstances, bien sûr, nous généralisons les informations sur les avantages liés au vaccin. Donc, nous passons des informations sur les téléphones mobiles pour montrer aux gens pourquoi c'est important. Mais nous avons aussi affaire à des informations fausses qu'il faut ensuite clarifier. Donc, les connaissances, c'est vraiment l'antidote, le meilleur antidote. Donc, il faut lutter contre ce propaganda faux. Merci. De votre point de vue, dites-nous quelle est donc la question la plus importante au niveau global dans le contexte de lien de technologie innovante et la gestion des crises. Qu'est-ce qu'on a appris en premier? Alors, à mon avis, c'est la question qui est liée au contact physique. Dans la situation de la pandémie, de plus en plus souvent, nous parlons de confinement, nous parlons de cette distanciation sociale. L'une des choses que nous avons comprises assez rapidement, c'était la perturbation du système de santé dans le pays que nous assistons, que nous soutenons. Donc, les vaccinations ont été les plus atteintes par ce problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crainte auprès de mères, de parents. Tout simplement, les parents ne voulaient plus aller au dispensaire pour faire vacciner leurs enfants, mais aussi le personnel médical avait des craintes. Donc, tout le système était perturbé. Et cela a fait une sorte de pression sur le système pour que le système devienne plus innovant. Nous avons observé que beaucoup d'outils numériques n'étaient pas suffisamment évolutifs dans plusieurs cas. Donc, on les adoptait vraiment à un rythme tellement accéléré qu'on ne connaissait pas avant. Docteur Agrawal, c'est la même question que je voudrais vous poser. Docteur, dites-nous de votre point de vue, quelle est la situation, quelle est la question principale où cette innovation numérique pourra être utile pour augmenter la résistance et la résilience des personnes et aussi pour que la santé puisse être offerte aux gens de façon plus efficace. Quelle est la question la plus importante pour vous? Merci Patrick. Donc, je suis d'accord avec ce que Anuradha vient de dire. C'est un très bon exemple pour montrer comment les solutions numériques peuvent aider le fonctionnement de ce qui est physique. Donc, les vaccinations doivent être faites de façon physique, mais il y a quand même des solutions numériques qui peuvent être utiles. Nous avons trois niveaux sur lesquels nous pouvons donc voir des changements qui s'opèrent en médecine. Il est évident que qu'il y a les médecins, qu'il y a les patients, que tout ça existe dans le monde. Les informations peuvent aussi être transférées. Donc, on parle de la télémédecine, mais après, on a un autre niveau. Donc, le patient qui peut être connecté de façon numérique, bien souvent, de l'autre côté, ça peut être un algorithme. Ça ne doit pas être une personne, ça peut être un bot. Et puis, au dernier niveau, c'est la solution numérique. Donc, le numérique est le numérique. Donc, la personne en tant que telle ne va pas exister dans ce système. Il y aura donc beaucoup d'appareils, de systèmes qui vont créer une image numérique de la personne. Ça sera analysé par les algorithmes numériques et seulement au moment où on va trouver une information qui pourra être transmise vers le monde physique, cette information sera transférée. Donc, cela pourra être réalisé dans la génomique où je fonctionne. Donc, tout ce qui est numérique, c'est vraiment indispensable. Nous avons affaire ici à 2 milliards de règles, de principes. Donc, nous avons besoin de ces solutions numériques, mais
par exemple en Inde, le nombre de médecins pour 1000 habitants, c'est moins de 1. Si nous prenons en compte tous les médecins que nous avons partout dans le monde, nous pouvons savoir qu'en Europe, c'est normalement 4. Mais dans la plupart des cas, comme en Inde, dans le pays similaire, les médecins ne sont pas distribués de façon égale. Donc, il faut donc créer ce type de connexion. Si nous voulons utiliser la main-d'œuvre moins compétente, on sera capable quand même d'apporter une certaine aide. Ces personnes doivent donc appliquer certaines solutions et recommandations. On a besoin d'infrastructures. Au moment où on va avancer, on va voir de plus en plus de cas où cette capacité de comprendre l'individu sera un élément qui va donc limiter la médecine la plus moderne. À un certain moment, probablement, il y aura une certaine autonomie pour le système numérique. C'est en génomique que ça sera le cas. Ce que nous faisons, cela est lié à des plans numériques qui sont vraiment très bien développés. C'est ce qui va, c'est ce que nous allons voir dans la médecine de demain. Et voilà, ce système va être performant, mais nous voulons que ça soit vite. Ce qui est numérique est aussi très évolutif, mais le plus important, c'est de savoir si ça marche ou non. Et c'est quelque chose qui va nous préoccuper dans un futur proche pour ne pas, voilà, donc il faut continuer à imaginer comment la situation va se poursuivre. Merci. Merci beaucoup. C'est effectivement une solution qui va vraiment très en avant vers l'avenir. Mais d'après ce que je comprends, de votre perspective, ça peut mener au fait que des services classiques de santé vont être appliqués et grâce à ces technologies, ces services seront accessibles désormais à tout le monde. Eh bien, comment voyez-vous d'autre part l'élément lié à la confiance? Parce que ça a déjà été mentionné plusieurs fois dans notre débat d'aujourd'hui. Oui. Eh bien, c'est une question phénoménale. En ce qui concerne la confiance, je peux dire la chose suivante. Une fois tout est en place, les algorithmes vont dire aux médecins ce qu'ils doivent faire. Ça va se faire prochainement. Et ensuite, les médecins seront capables de comprendre pleinement quelles sont les raisons de la prise de décision par ces algorithmes et en tirer des conclusions appropriées. En principe, les patients ont confiance aux médecins et les médecins, eux, ont confiance en recherche clinique qui nous fournissent des données. Donc, ça doit être bien équilibré. Autrement, il ne sera pas possible de le faire. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser comment les données pourront être transmises de façon rapide pour créer un haut niveau de confiance. Tout ceci se fera à condition que ce soit transparent. Une fois les données sont bien accessibles aux médecins à chaque étape, que ce soit fait à l'aide de technologies blockchain ou autre, si ces données seront visible pour tout le monde. Si c'est transparent, ça va nous permettre de construire de la confiance. Oui, il faut tenir compte de la transparence. La transparence est la plus importante, oui. Merci. Certainement, vous êtes vraiment convaincu à cette vision, à la vision que vous venez de nous présenter. Je regarde maintenant quelles sont les questions sur notre chat et les la section questions-réponses, il y en a de plus en plus, je dois admettre. Elle nous pointe une question. Premièrement, comment garantir le droit à la vie privée dans le contexte de la numérisation des données liées à la santé? Eh bien, selon moi, c'est un vrai défi et le débat sur ce sujet se déroule partout. Même ici en Allemagne, nous sommes maintenant en train d'en débattre de façon très intense sur une application très simple et décentralisée. Et même ici en Allemagne, il était difficile de l'appliquer à tout le monde. La deuxième question concerne le lien entre les systèmes publics et privés parce qu'il y a ici un aspect de commercialisation qui a été soulevé. En regardant ces questions, je comprends que nous avons en fait affaire à non seulement de la peur,
mais surtout qu'on se demande qui dirige tout cela. Est-ce que c'est dirigé par le secteur privé ou public ou par la société civile, c'est-à-dire qui va élaborer les normes pour l'avenir, pour l'application des technologies numériques dans le système de santé qui va se développer davantage. Maintenant, je voudrais demander Bernard, encore une fois, de s'exprimer parce qu'il se référait à la vie privée dans le contexte de digitalisation de données liées à la santé. Où, selon vous, se trouve ici le défi principal? Oui, merci. Eh bien, le premier défi concerne le fait que les solutions numériques et la santé, ce sont des éléments qui sont régis par des cultures différentes. La culture de monétisation de données est quelque chose d'autre que la culture du patient. Nous n'avons pas besoin, à vrai dire, de ce genre de solution à première vue, bien sûr. Mais si l'on avait le fin à faire le lien entre ces deux éléments, comment concilier ces deux extrémités pour pouvoir profiter des valeurs ajoutées de tout cela pour faire profiter tout le monde. Donc, premièrement, la vie privée et la mise à disposition de données, ce sont encore deux extrêmes important. Comment peut-on garantir une bonne utilisation de données à la santé pour améliorer la santé des gens, en même temps ne pas portant atteinte aux personnes concernées? Parce que primum non nocere, c'est la première et principale règle qui régit la profession médicale. Alors, nous proposons dans notre stratégie globale de santé numérique des cadres visant à réguler l'utilisation des données numériques liées à la santé. Il faut les appliquer pour régir les questions liées à la vie privée et permettre, d'autre part, aux technologies numériques de puiser de ces données pour offrir des avantages liés à la santé dont nous avons tous besoin sans porter atteinte à la vie privée, non plus sans porter atteinte à des questions éthiques. Eh bien, cette stratégie est basée sur un bon écosystème. Il s'agit non seulement de créer des partenariats publics-privés, mais il faut faire le lien entre la société civile et les scientifiques. Toutes les parties intéressées doivent être concernées. Nous avons créé en fait un réseau parce qu'aujourd'hui déjà, nous possédons une certaine culture dans ce domaine et je voudrais me pencher justement sur cette culture-là. Nous sommes des gens qui ont leur propre habitude. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'OMS a été créée. Après la guerre, les défis étaient tout à fait différents. Maintenant, les défis sont vraiment différents. Nous avons la numérisation, d'où la nécessité de créer de nouvelles normes, appliquer de nouvelles solutions. Il faut donc garantir dans notre vie un écosystème basé sur la confiance. C'est notre rôle, le rôle de l'OMS, de créer des éléments qui sont liés les uns aux autres et ces éléments dans le cadre de cet écosystème doivent être basés sur la confiance. Les cadres régissant les systèmes de santé, l'interopérabilité, etc., c'est nécessaire. Nous possédons déjà ce genre de système et les acteurs concernés. Il faut travailler avec eux, mais travailler aussi avec des acteurs avec lesquels nous n'avons pas encore travaillé. La tradition de l'OMS était telle que l'on n'avait pas de partenariat avec les entités privées, mais maintenant, nous avons affaire à une situation différente. Il faut travailler avec eux pour que tout le monde puisse en profiter. Merci, merci Bernardo. Ça a été bien et clairement décrit. Ton expérience a été bien décrite lorsque tu as commencé à nous dire que tout d'abord, il faudrait qu'il y ait une stratégie de santé numérique appropriée. Et donc, beaucoup de questions qui sont maintenant préparées pour la pandémie ont accéléré et ça nous donne un cadre sur lequel on peut travailler, étendre les applications que nous utilisons déjà.
Et maintenant, la personne suivante, où sont les parties prenantes les plus importantes pour construire la confiance, améliorer la confiance par rapport aux applications utilisées par les usagers? Premièrement, je pense qu'il faut garantir la présence de toutes les parties composantes. Premièrement, garantir une gestion adéquate des données liées à la santé. La santé numérique, ce n'est pas seulement un concept pour le monde numérique. Il doit aussi engager d'autres parties prenantes, le ministère de communication de la santé et des finances, mais aussi le ministère de l'éducation. Ceci signifie que dans le cadre de ce type de gestion, il faut travailler avec d'autres parties prenantes et engager aussi le secteur privé, public, la société civile et le monde scientifique. Mais il ne suffit pas de les impliquer. Il faut susciter leur intérêt. Qu'est-ce que nous avons fait dans notre pays? Eh bien, lorsque nous avons commencé à travailler sur la santé numérique et sur la stratégie, eh bien, nous avons commencé par la stratégie e-health et m-health. Lorsque nous avons fait ça, nous avons vu quelles ont été les solutions déjà appliquées dans le secteur public et privé. Pour cela, nous avons aussi créé des cadres normatifs visant à normaliser la fonctionnement de toutes les solutions numériques dans le secteur privé et public. Ça a été un outil très utile pour montrer les avantages et les désavantages du fonctionnement de tous ces outils-là. Ça nous a montré quels outils devraient être modernisés. Une expérience très utile. Il ne suffit pas de construire des systèmes autour des patients sans impliquer les patients même. Je suis d'accord avec Bernardo. Quels que soient les systèmes que nous développons, que ce soit des systèmes publics ou privés, il faut toujours avoir au centre de notre réflexion le patient. Il ne s'agit pas seulement de personnes malades. Si je dis patient, ça ne veut pas dire que c'est une personne malade, mais c'est juste l'être humain, l'individu qui doit être au cœur de notre pensée. Pour ces gens-là qui ne sont pas malades, nous devons aussi assurer des solutions numériques parce que ces personnes-là, elles aussi, doivent avoir accès à ce genre d'application. Ces systèmes doivent être basés sur l'être humain. Au cœur de ces systèmes doit être l'individu. Les solutions numériques ne peuvent pas être appliquées seulement aux personnes qui travaillent dans le système de santé. Nous avons besoin aussi de compétences informatiques, téléinformatiques, et ceux qui vont utiliser ces outils doivent savoir comment les utiliser, comment s'en servir. Merci, Precious. Maintenant, une question ouverte à tous les participants de la session. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter encore quelque chose à ce qui a été déjà dit? Kira, je m'adresse maintenant à vous. Je ne sais pas si j'interprète ce terme de façon adéquate. C'est le terme de triage, la notion de triage. Du point de vue éthique, ça pourrait être difficile de le qualifier de façon appropriée parce que les systèmes numériques peuvent prendre des décisions en se basant sur l'intelligence artificielle et leurs algorithmes. Ça a été déjà soulevé plusieurs fois lors de cette discussion. Donc, c'est quelque chose d'inhabituel et potentiellement peut porter des dangers. Qui prend des décisions? Comment ça se présente? Comment ces systèmes sont-ils conçus? En tant qu'ancien journaliste, je me réfère à cet argument. Brièvement, le concept de triage clinique a déjà existé depuis des centaines d'années. Les patients doivent être sélectionnés selon la gravité des symptômes qu'ils ont. D'habitude, c'est fait de manière traditionnelle, manuelle. Mais le problème, c'est qu'il faut unifier ce système. Le triage est très important. Si, par exemple, tout le monde se rendait chez une infirmière, il n'y aura pas suffisamment de
temps pour gérer les cas qui ont vraiment besoin de soins d'infirmières. Donc, il faut réduire le nombre de patients aux urgences. Et les rediriger. En ce qui concerne le système de santé, il faut aussi parler choses qui sont liées sur la confiance. Il y a eu un article dans Science il y a un certain temps. Il s'agissait d'algorithmes proactifs et comment prévoit-il le traitement des patients dans le système de santé américain. Il s'est avéré que souvent, ces patients n'avaient pas été bien traités dans le passé par le système de santé. Le système informatique a désormais adopté une approche différente par rapport à ces patients. Les algorithmes ont fait des recommandations. Bien sûr, ici se pose la question sur la justesse du fonctionnement des algorithmes. Les scientifiques doivent assurer des systèmes qui fonctionnent de manière simple, qui sont clairement explicables pour que les algorithmes soient transparents. Nous avons affaire à des algorithmes mathématiques qui sont justes, fonctionnent de manière juste. Et donc, en ce qui concerne les aspects cliniques, il faut comprendre comment le faire de manière adéquate. Ça ne signifie pas qu'il ne faudrait pas le faire. Souvent, maintenant, nous perdons notre bataille. Anurag l'a d'ailleurs déjà dit comment les choses se présentent. Il faut qu'il y ait un système basé sur des millions de données. Et maintenant, nous passons aux solutions numériques. Nous l'avons déjà fait dans les finances. Pourquoi ne pas le faire dans le système de santé? Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer l'élément humain. Il y aura toujours cet élément humain parce que, en fait, les médecins auront plus l'opportunité de s'occuper des patients au lieu de s'occuper de la paperasse. Avant, pour un médecin, en moyenne, il s'occupait de 200 patients. Maintenant, il pourrait s'occuper de 500 patients. Une échelle tout à fait différente. Maintenant, merci. Merci beaucoup, docteur. Oui, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus, Monsieur Agrawal? Oui, la première pensée va vers la vie privée. Le contexte local joue ici un rôle important. Lorsque nous nous penchons sur la différence liée au PIB en Europe par rapport aux autres continents, aux autres pays, tout dépend donc de l'utilisation adéquate ou non de données liées à la santé. Souvent, il s'agit des choix difficiles à faire. Alors, le fait comment nous allons gérer ces systèmes de santé, les améliorer, tout ceci, c'est un processus très dynamique pour bien illustrer de quoi je veux parler. Par exemple, si quelqu'un pouvait utiliser nos données, ce ne serait pas une bonne idée. Mais si ces données allaient être accessibles à un algorithme qui nous aiderait à mieux gérer notre santé, à ce moment-là, ce serait une idée excellente. Je pense que nous ne sommes qu'à nos débuts, au début de l'époque de la science informatique. Beaucoup de choses n'ont pas encore été suffisamment utilisées. Nos propres données peuvent être dans notre téléphone et en même temps, les algorithmes peuvent mieux les utiliser pour que notre expérience avec le système de santé soit meilleure. Bien sûr, le génome, lui aussi, peut être pris par les systèmes et les bases génomiques peuvent rester dans un seul endroit. Je ne veux pas dire que ça va toujours être utilisé, parce que ça peut être utilisé à des fins inadéquates. Ça a une grande importance d'ailleurs en Inde. Mais en même temps, nous voulons que l'on organise les systèmes de santé de façon précise, qu'ils fonctionnent de mieux en mieux. Nous avons 1000 groupes génomiques analysés en Inde et 13 millions de variantes génétiques ont déjà été identifiées qui n'avaient jamais été localisées auparavant. On peut aussi étudier des génomes africains, ce qui nous permettrait de localiser d'autres 15 millions données génomiques. Les données génomiques sont maintenant dominées par les données européennes et américaines. Il faut que
tout de même nos données soient accessibles dans le monde entier. Ce ne doit pas être un système fermé. Ça coûte beaucoup, ce processus d'analyse génomique. Il faut rassembler les données en évitant leur utilisation inadéquate, les sécuriser. Merci. Tout cela, ce sont les données qui apparaissent. Voilà, donc il y a cette question éthique, cette discussion éthique qui apparaît. Et quelle est l'interface entre la personne et le monde numérique? Donc, c'est quelque chose qui a commencé à se former, qui va se former dans l'avenir. Nous voyons que le potentiel est important et grand pour les technologies numériques. En même temps, ces technologies pénètre dans l'espace où nous ne les avons pas attendus tellement. Donc, c'est une chose pour utiliser le mobile pour contacter les amis ou la famille, et autre chose de voir le médecin par téléphone et lui envoyer les données nécessaires pour qu'il les consulte et pour qu'il les analyse. Et puis, une question très courte, parce que je voudrais quand même laisser ce sujet maintenant passer à un autre sujet pour regarder un peu dans l'avenir, vers l'avenir, pour parler de certaines recommandations qu'on pourrait transmettre à la population. Mais encore une petite question concernant la confiance. Tu as une expérience concernant les vaccinations. Donc, tu es donc en contact avec la population, en contact direct. Donc, est-ce que le fait qu'on doit travailler plus, ou est-ce qu'on doit travailler davantage si la plupart des prestations seront réalisées de façon numérique? Donc, il me semble qu'il faut choisir de façon très précise la façon dont nous allons nous servir de technologies numériques. La valeur de contacter personnellement l'homme doit être aussi appréciée. Nous l'avons entendu déjà. Donc, tout ce qui peut être numérisé, digitalisé, doit être digitalisé, c'est sûr. Nous faisons par exemple des analyses numériques, par exemple, peut-être s'il faut ou non mettre les données des patients dans le système, est-ce que c'est bon ou non pour les patients? Mais de l'autre côté, cette question de la confiance en personnel médical, c'est quelque chose qu'on ne peut pas sous-estimer. Il me semble donc que ce contact humain, ce contact interpersonnel gardera son importance. Et je pense qu'un élément qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent et qui concerne une certaine justesse, égalité, nous avons un peu abordé la question de la justesse, mais je voudrais mettre en relief que nous devons être sûrs que la fracture numérique qui existe déjà ne va pas s'approfondir. Que finalement on ne va pas aller complètement dans l'autre sens, vers l'autre extrême, qu'on ne va pas perdre de vue cela, faute à cet accès égal à la télémédecine. Donc, on ne peut pas laisser quiconque en arrière. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder vraiment en tête. Hein. Je vous remercie. Oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement le sujet que je voudrais aborder maintenant. Nous n'avons pas donc d'accès égal au monde en ligne. Tous les systèmes qui fonctionnent, qui existent, sont structurés de façon très variée dans différentes parties du monde, mais toujours il y a cette moitié de la planète qui reste en dehors du monde en ligne, ou bien la qualité d'accès est très faible. Nous parlons ici de régions assez éloignées, mais aussi il y a des endroits où les technologies ne sont pas accessibles pour tout le monde, ou au moins pas de façon égale. Donc, tout cela est fondé sur la situation que nous connaissons du passé, donc qu'il y a des personnes qui étaient vulnérables,
en ce qui concerne d'autres problèmes, mais qui sont aussi vulnérables en ce qui concerne l'accès à Internet. Ce sont les personnes qui n'ont pas de bon accès maintenant. Maintenant, comment faire en sorte que ce soin numérique soit disponible pour tout le monde, pour ne pas laisser quiconque en arrière? Je voudrais donc structurer ici le débat et maintenant, je vous donne à chacun de vous 2 à 3 minutes. Je voudrais que vous fassiez des suggestions vraiment très pratiques sur la base de vos expériences. Comment nous pouvons le faire pour que la médecine numérique, les innovations numériques soient généralisées, soient disponibles pour tout le monde? Et commençons par Bernardo, encore une fois. Merci, Patrick. Il me semble que certains panélistes ont déjà abordé cela. Quels sont les défis? Qu'est-ce que nous devons faire dans le monde réel et dans le monde physique et dans le monde numérique? Il y a aussi certains leaders qui commencent à discuter cette thématique. Il y a certains leaders qui sont conscients du fait que nous avons besoin de nouvelles règles dans le monde numérique parce que le transfert de règles du monde physique ne doit pas nécessairement être correct et bon dans ce cas-là. En ce qui concerne l'égalité d'accès, il ne faut pas oublier l'égalité de sexe aussi. Ce n'est pas uniquement la question d'accès, mais aussi, par exemple, pour que ça soit accessible pour les personnes avec les handicaps. Nous voyons que notre rôle est de soutenir le pays pour créer la stratégie de santé publique, pour assurer l'égalité d'accès pour tous les groupes. Il me semble qu'aujourd'hui, Anora d'ailleurs en a déjà parlé, cette fracture numérique est énorme. Presque la moitié du monde n'a pas d'accès à Internet à bande large. Nous faisons donc tout pour en promouvant les technologies numériques pour donc promouvoir l'accès pour tous ceux qui n'ont pas d'accès pour l'instant. Nous coopérons avec différents pays, avec différentes entités présentes sur place, donc ITU ou le gouvernement national sont nos partenaires dans ce processus. Et ce n'est pas uniquement la question de la santé, c'est aussi la question du financement, c'est la question des technologies. Excusez-moi, mais il y a des problèmes techniques. Voilà, donc nous nous rendons compte que ce n'est pas une solution égale. Aussi, au niveau de la communauté, nous ne pouvons pas oublier que les employés ont aussi besoin de compétences nécessaires pour que nous puissions passer en avant pour créer des solutions pour assurer le transfert. Travailler ensemble, c'est vraiment la clé pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir inventer les solutions pour l'avenir. Préchez maintenant. Oui, nous devons donc parler de cette question de l'inégalité aussi, de la qualité. Nous devons donc reformer nous devons donc assurer de bonnes garanties de régulation qui sont mises en place. S'il s'agit de ce type de solution, les investissements dans les compétences de l'homme, le développement de l'homme, c'est quelque chose de très important parce que
Nous devons donc suivre la révolution numérique. Ce que Anuradha, comme Anuradha a dit, dans le pays où il y a le besoin énorme au niveau très basique, nous avons qui sont bon, là, il y a la question de ces technologies high-tech et ça peut être utile pour assurer le bon niveau de santé. Cela peut, ces technologies high-tech nous permettra de garantir qu'il y ait cette transformation du système de santé. Il faut que ce système de santé se transforme, il faut qu'il permette d'assurer une meilleure qualité de services offerts. Nous voyons que ceux qui utilisent ce service sont vraiment autonomisés, peuvent vraiment gérer leur propre santé, peuvent suivre leur propre santé. Il ne faut pas que ces personnes aillent ici et là dans un ambulatoire, dans un dispensaire avec un petit problème de santé. Cela nous permettra aussi de diminuer les coûts et aussi de faire en sorte que ce service de santé ne soit pas très coûteux pour que tout le monde puisse le permettre. Élargir ce service serait aussi bon pour les personnes qui habitent dans des lieux éloignés en province, là où cet accès n'existait pas, cet accès au service sur place n'existe pas. Donc, si quelqu'un n'a pas d'adresse précise, devient tout de suite défavorisé. Donc, notre localisation géographique ne peut pas être une barrière à cet accès. Nous avons donc les possibilités pour améliorer le résultat, pour améliorer l'efficacité de soins apportés aux patients grâce aux solutions technologiques que nous venons de discuter. Cela nous permettra aussi d'améliorer nos objectifs pour assurer le développement durable. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention sur quelques points que tu viens de mentionner, si je comprends bien. Donc, toi, tu espères que si nous assurons de bonnes compétences numériques, la technologie permettra de lutter contre les inégalités dans l'accès au système de santé. Bernardo, si je comprends bien, craint un peu plus que la technologie numérique utilisée dans le système de santé peuvent aussi refléter ce qui existe déjà dans le monde physique. Donc, finalement, qu'on aura la même situation. Cela, on n'est pas donc sûr si on va vraiment surpasser ces inégalités. Donc, il y a ce risque de reprendre les mêmes modèles si on ne prend pas en compte vraiment les infrastructures existantes dans tel ou autre pays. Et maintenant, quelle partie tu choisis? Ben, tu es d'accord avec qui plutôt? Je voudrais attirer votre attention sur un autre point. Nous essayons de comprendre les inégalités d'accès aux vaccinations parce que ces inégalités existent, c'est quelque chose de très réel. Et nous essayons de comprendre pourquoi 11 millions d'enfants dans le pays qui sont soutenus par nous ne peuvent pas avoir même le vaccin de base, la vaccination de base. Donc, ce sont les enfants zéro vaccination. Donc, on utilise ces enfants comme une sorte de marqueur. Il nous paraît que ce sont les enfants qui habitent dans des endroits très éloignés. Et non, finalement, il s'avère que non. Bien souvent, ce sont les enfants qui habitent en bidonville, vraiment dans la capitale. Et ces enfants fonctionnent, sont un peu dispersés un peu partout, dans des villages, en capitale, dans le bidonville. Mais il y a cet accès qui est difficile pour nous pour atteindre ces enfants. Donc, ce sont les enfants qui sont issus de familles qui doivent, qui ont par exemple $1 pour vivre par jour. Il y a donc des barrières de sexe, il y a des barrières ethniques, il y a par exemple la mère qui n'est pas éduquée du tout, qui n'a pas de la force d'agir. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. La première chose que je voudrais dire, c'est de ne pas
qu'il ne faut pas égaliser les inégalités avec la géographie. Donc, il ne faut pas croire que c'est uniquement la question géographique si nous parlons des inégalités. La deuxième chose, c'est que nous pouvons utiliser le big data et l'intelligence artificielle pour utiliser les sources complexes de données pour comprendre où ces populations délaissées se trouvent et pourquoi ces populations n'ont pas d'accès à telle ou autre prestation. Donc, ce n'est pas lié directement à la connexion Internet et à cette fracture numérique. Nous pouvons utiliser toujours les technologies qui sont à notre disposition pour améliorer l'accès de ces populations. Nous avons aussi besoin d'un niveau de technologie qui pourrait être utilisé un peu partout parce que cette technologie est vraiment très variée. L'accès à cette technologie est différent dans différentes régions et dans certains pays, on utilise le téléphone mobile qui pourrait être une source d'accès numérique, mais les femmes n'ont pas de téléphone mobile dans ce pays. Dans d'autres pays, il y a les femmes qui utilisent beaucoup plus le téléphone mobile que les hommes. Il faut donc évaluer tout cela de façon très individuelle. Chaque population, l'une après l'autre, seulement après cette analyse, on pourra prendre des décisions intelligentes pour savoir comment nous pouvons utiliser bien les technologies. Anouk, encore, comment faire pour que les services de santé soient disponibles pour tout le monde? Merci, je commence peut-être par un commentaire par rapport à ce que Precious nous a dit. Donc, comment faire pour que les patients ne se déplacent pas de façon inutile, le point de santé, le dispensaire? Je pense que ça, c'est crucial. En Inde, un patient le plus souvent passe une dizaine de minutes avec son médecin et après chaque visite, il faut vraiment tirer le maximum de chaque visite. Donc, le temps qui... il faut que ce temps soit... Le temps passé avec le médecin compétent soit le plus long et ce qu'on peut faire de chez soi, il faut que ça soit fait de chez soi. Donc, pour ne pas passer le temps inutilement dans le centre médical avec le personnel administratif. Donc, il faut faire en sorte que cet accès soit bon marché. Donc, bien sûr, c'est le gouvernement normalement qui doit payer cela pour donner accès aux gens, pour qu'ils puissent se connecter. Donc, le financement, c'est une autre chose, mais il faut aussi agir au niveau international, mais aussi, il faut assurer une bonne contribution du secteur privé. Donc, à la fin, il y aura donc différents produits qui ne seront pas accessibles pour tout le monde, peu importe leur nom, qu'est-ce que sera comme produit, mais quand même les produits vraiment suffisamment bons devraient être accessibles pour tout le monde pour que ces soins de base soient donc accessibles pour tout le monde sans sortir de chez soi, sans perdre le temps. Il y a beaucoup de personnes qui perdent, par exemple, le revenu parce qu'ils se déplacent pour aller voir le médecin. Merci pour toutes ces interventions. Tout ce qui concerne cette interface homme-homme, donc les contacts interpersonnels, moi, je peux confirmer que lorsque nous regardons les études concernant les relations entre les patients et les médecins, nous voyons que beaucoup de visites, du point de vue de la santé, ne sont pas utiles vraiment. Donc, c'est plutôt la question sociale, pas tellement la question de santé. Donc, c'est plutôt parfois la question du contact en tant que tel. Donc, cela concerne notamment les personnes âgées qui, bien souvent, voilà, viennent voir un médecin après un autre. Et voilà, remplissent les salles d'attente, ce qui crée une charge pour les systèmes, mais ce sont le besoin qui existe aussi. Et maintenant, la question est de savoir comment on pourrait répondre à ce besoin différemment. Merci.
Et maintenant, la question à Kira, comment faire pour que ça soit disponible pour tout le monde? J'ai quelques points à aborder. Premièrement, comme je disais auparavant, il y avait des méthodes algorithmiques qui nous montrent que notre algorithme est juste. Mais premièrement, la médecine virtuelle, la démocratisation de la santé, eh bien, c'est un phénomène qui permet à tout le monde d'avoir l'accès à la médecine, quelle que soit sa localisation. Mais le problème, c'est l'accès, justement, parce que même dans le cas de soins virtuels, 70% de la population, même en Europe, n'est pas consciente du fait qu'il y a un tel accès à la médecine virtuelle. C'est l'éducation donc qui joue un rôle important ici. Ça doit être appris, enseigné à l'école. Essayez d'utiliser cet outil, la médecine virtuelle, quelque chose qui peut changer votre vie. Un autre point, c'est l'éducation des médecins. Les médecins, dans leur éducation varie selon le pays. Alors, la construction de systèmes de prise de décision dans le monde entier doit signifier que les médecins doivent avoir accès à ces données déjà à l'étape de leur éducation pour que ça se fasse de façon durable et juste. Merci. Les choses sont claires. Et donc, encore la dernière partie de notre session ici, je vous demanderai d'être encore plus bref qu'auparavant. Eh bien, maintenant, lorsque nous nous penchons sur ce qui a déjà été dit aujourd'hui, quels seraient des points concrets, des recommandations, des mesures qui pourraient être des conclusions de notre panel d'aujourd'hui? Je regarde la montre et je vois que vous êtes tous très chevronnés en ce qui concerne les politiques et quelles politiques doivent être appliquées, quel doit être le message principal de notre session d'aujourd'hui pour mieux gérer les défis à venir, l'adaptation du monde numérique au monde traditionnel. Que faire dans l'avenir? Quelle est votre vision pour l'avenir? Que voudriez-vous voir dans un document qui clôturera cette section? Une minute au maximum par intervention. Bon, je voudrais souligner que la santé numérique, ce n'est pas seulement ce qui est en version numérique, mais ça exige une stratégie tenant compte du contexte local, de l'infrastructure locale. Chaque système doit avoir une mission nationale. Et cette mission nationale doit être s'appuyer sur les besoins liés à la santé au niveau local. Merci. Un récapitulatif excellent. Maintenant, Anuradha. Eh bien, il me semble qu'en ce qui concerne l'application des services de santé, c'est ça qui est très important, leur efficacité et la responsabilité. Les solutions numériques sont ici pour nous aider à le faire. Grâce à cela, il est plus facile de fournir des services de santé. Les applications liées à la santé nous permettent de mieux allouer nos ressources, les allouer de façon plus juste, équitable, pour que personne ne soit délaissé dans ce système et pour que la qualité des services soit la meilleure possible. Merci beaucoup. Kira, à part tout ce qui a été dit sur l'égalité, une meilleure coopération entre le gouvernement et le secteur privé, je voudrais aussi parler de l'échange de données, data sharing, au niveau global. Eh bien, si les gouvernements échangeaient des données au niveau global, les données liées à la santé, les conclusions sur la pandémie, on pourrait sauver plus de vies. Donc, il s'agit d'un partage de ressources. Tous les gouvernements doivent rendre visibles leurs données aux autres gouvernements. Ça changerait beaucoup en ce qui concerne les services de la santé. Un point très important. Maintenant, Bernardo. Merci. Je pense que la recommandation clé de ma part serait de dire ce qui a déjà été dit d'ailleurs, c'est-à-dire que chaque pays devrait avoir sa propre stratégie de santé numérique. Sans une telle stratégie,
on ne pourrait pas agir. Et ça doit régir l'interopérabilité, l'accès aux données numériques, toutes les questions éthiques liées à la confiance, etc. Mais la deuxième chose, c'est que chaque pays doit savoir et comprendre où dans tout ce spectre de maturité numérique il se trouve pour savoir quels investissements doivent se réaliser et ces investissements, d'autre part, doivent se concentrer sur l'accélération du progrès de la maturité numérique. Donc, je parle ici de maturité qui doit être évaluée et en se basant sur cela, réaliser des investissements améliorant l'état des choses. Et enfin, l'écosystème numérique lié à la santé exige une amélioration, une évolution constante, continue. C'est une 60, c'est égal à 60 années de vie d'un être humain. 9 ans de développement numérique est égal à cela. Donc, il ne faut pas penser à court terme et à long terme. Merci Bernardo. Ces stratégies doivent être bien sûr très flexibles. Je comprends que le changement qui s'opère maintenant dans le monde numérique est très dynamique. C'est une façon de penser basée sur la conception, oui, prêcheuse à la fin. Eh bien, nous avons besoin d'une bonne gestion des services de santé numérique et un meilleur accès à ces services. Pour cela, il faut investir surtout dans le développement du potentiel humain. Ainsi, tout va rattraper la révolution numérique. Il faut aussi avoir une infrastructure durable qui peut être à la fois étendue et maintenue. Il ne suffit pas de dire infrastructure, mais à part cela, l'infrastructure doit être aussi flexible et bien maintenue. Merci beaucoup. Merci. Nous avons obtenu des recommandations très claires de votre part. Maintenant, je vois ce que vous avez dit avant. Et il me semble qu'il va y avoir une série de points, des recommandations qui vont résulter de notre session d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai souligné l'importance d'un sujet complémentaire qui se croise avec nos sujets, c'est-à-dire il s'agit de compétences à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il faut savoir plus sur l'impact, le fonctionnement des systèmes numériques dans le domaine de la santé et ses compétences ne consistent pas à voir comment se gérer, mais comment ça fonctionne. C'est lié d'ailleurs étroitement à la transparence. L'on disait, et Kira d'ailleurs aussi l'a souligné, que la transparence était primordiale. Quelqu'un a dit que les compétences numériques en général, c'est bien sûr un défi pour différents secteurs, mais il me semble que c'est d'autant plus important dans le cadre de la santé. Bernard nous a dit que l'on faisait le lien entre deux cultures différentes. D'une part, nous avons la santé qui est en grande mesure basée sur les relations humaines. Et d'autre part, nous avons tout ce qui est numérique, ce monde numérique. Et il semble que ce sont des cultures vraiment éloignées l'une de l'autre. C'est pour moi une remarque d'ailleurs très intéressante parce que le lien entre les cultures, c'est quelque chose dont on parle vraiment rarement, mais pour chaque opérateur de système, pour tous ceux qui ont affaire à ces sujets, que ce soit des académiciens, que ce soit des patients, des docteurs, eh bien, ce lien n'est pas si facile à appliquer. Je voudrais maintenant remercier beaucoup de cette grande inspiration qui a été apportée par ce panel, par cette discussion. Merci de nous avoir consacré du temps. Toutes les présentations, toutes les interventions ont été enregistrées et resteront là sur notre canal YouTube de l'IGF.
Ce sera aussi enregistré sur notre télé, notre canal télé. Merci des questions qui nous ont été envoyées sur le chat, sur des remarques. Une partie de ces questions ont déjà été lues. On y a répondu. C'est très intéressant de voir quelle est votre opinion sur ces sujets très complexes. Merci aux organisateurs, à toute l'équipe chargée de l'organisation. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la réunion suivante de l'IGF, bien sûr, ce format est très intéressant, ce format en ligne, mais j'espère tout de même que notre réunion suivante se déroulera en personne dans le monde physique, et j'espère que ce genre de réunions ne disparaîtront pas après la pandémie et que nous aurons l'opportunité de continuer notre débat. Ce thème reste toujours une priorité. Merci beaucoup.